Storm, rentré sur son pied droit. Non, il déborde à gauche finalement. Centre de Storm et le but de Igor De Camargo qui est tout seul oublié au deuxième poteau. Ça commence très fort pour Malines. 3 minutes 30 de jeu. Igor De Camargo qui déborde Van Klimput. Timanga dans le rectangle, le centre en retrait. Mini qui peut frapper, l'arrêt et le but de Hurst qui conclut. Pas de hors-jeu pour Hurst. Égalisation du jeune anglais qui est là à la conclusion. Van Damme rejoue vers Kaya qui est à nouveau disponible. Onur Kaya, petit ballon piqué vers Lobé, plutôt vers Van Klimput. Cette fois c'est un ballon de Kaya très aérien. De plus, la reprise de Becker et la parade donc qui n'est nécessaire. Bien joué de la part de Becker là. Becker qui met cela dans le dos de Engvall. Le tacle de David Hubert sur Skoofs. Et Hubert qui prend son deuxième jaune, je le crains. Et c'est donc la rouge pour David Hubert. Ouais, voilà, qui est donc exclu après 43 minutes de jeu. Et ça, ça va évidemment compliquer les choses. Il doit garder ce ballon, il le fait bien. George Hurst. Hurst toujours. Contré cette fois par Swinkels. Et le ballon arrive dans les pieds de De Camargo qui talonne pour Swinkels. Swinkels devant le but. Et le but d'Ariane Swinkels qui va marquer ce but tout seul. C'est lui qui récupère le ballon et c'est lui qui la met au fond. Le but de Swinkels. Directement aussi. On rejoue depuis 3 minutes 30, comme tout à l'heure en première mi-temps. Après 3 minutes 30, c'est 1-2. Ariane Swinkels. Le centre et Skurmans qui sort cette balle. Van Damme dans le rectangle. Van Damme contré par Duplus. Le ballon chez Kaya. Attention avec ce centre en retrait. Engvall, c'est sauvé par Skurmans. Et puis en kiné et De Camargo finalement qui marque. Igor De Camargo qui met ce but. C'est 1-3 à la 60e. C'en est fini des louvanistes sans doute. Ah, quand ça va pas, ça va pas.